Yo tout le monde, c'est Malus, vous avez la focus, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis, un putain de plaisir de l'espace de vous retrouver aujourd'hui les amis pour le début de ma nouvelle carrière, pour le début de la carrière de Ouyo Junior. Son papa a pris la retraite comme vous l'avez vu, papa Ouy ma gueule, mais oui. Et les amis, on se retrouve pour un moment plutôt important, vous êtes très nombreux à avoir attendu ce moment avec impatience, de type impatientement, et très nombreux, ainsi que moi-même, à vouloir commencer cette nouvelle carrière. Comme vous l'avez compris lors de la précédente vidéo, papa Ouy les amis, il a un garçon, seulement il y a un petit problème, papa Ouy, il s'est tapé une blanche. Du coup, il y a un petit problème, c'est-à-dire que son fils est devenu blanc. Ouyo Junior, il est blanc, oui. C'est pas très logique, mais on a voulu faire quelque chose qui me ressemble plutôt. Enfin, quelque chose, je sais pas si c'est quelque chose ou quelqu'un en fait. Enfin, vous allez juger par vous-même les amis, ok. Donc les amis, j'avais dit on ferait un petit meneur de jeu, donc on va mettre un meneur plutôt équilibré. Faut savoir que j'ai plus de 100 000 ici les amis à balancer tout simplement dedans. Donc je vais mettre équilibré, ce qui permettrait, donc moi j'aimerais faire un meneur de jeu de type athlétique, de type un peu Russell Westbrook, de type claquage de Deduck, évidemment. Évidemment monsieur Ouy. Ben c'est quoi mon truc préféré, hein, c'est quoi? J'écoute. Bon, évidemment vous pouvez pas le dire parce qu'on est sur une vidéo, mais bon, évidemment c'est Deduck. Donc il me faut quelqu'un de plutôt athlétique, équilibré, pour pouvoir après être bon 3 points et bon tir intérieur. Mais je vais essayer de jouer beaucoup plus différemment les amis, ok, je vais essayer d'être vraiment plus différemment. Au niveau du point, on va prendre un petit 84 kg, numéro 19, si ma gueule on est là. Attention, le jeu de mots le plus pourri de la terre. J'ai décidé de rejoindre les Dragons pour enflammer les parquets, pour être on fire les potes. Main dominante droite pour les dunks les deux. Envergure, je mets pas une trop grosse envergure parce que sinon je vais avoir une tête de Yeti. Longueur du corps, 53 cm, les épaules comme as, t'as vu, et les sous-titres avec. Donc moi je vous propose, c'est parti, let's go. Voici l'histoire de Ouyo Junior. Son papa est champion, sa maman n'est pas championne, mais on s'en bat les reins. Nous sommes à New York, histoire de papa Ouy. Préparez-vous à voir la carrière d'un jeune dominant la NBA, un jeune meneur de jeu avec un caractère de l'espace, avec des dunks de l'espace, avec un jeu de l'espace. Il va marcher sur la NBA. C'est parti. Ok les potes, on est à le poteau. Donc voyez, ça fait vraiment bizarre de revoir mon bonhomme. J'ai un petit peu amélioré mon petit bonhomme. Enfin je veux dire, j'ai augmenté sa gueule. J'ai pris quelques petites améliorations au niveau des animations NBA. J'ai pris le tir de Stephen Curry. J'ai pris le timing de lâcher rapide, lancer franc, j'en ai pris un au pif. Les dunks pas encore, faut que je débloque des trucs. Double pas, on a pris John Wall les potes. Les cérémonies on les a pas encore fait. C'était pas à me dire dans les commentaires ce que vous conseillez. On le fera, y a pas de soucis. Mais du coup on va améliorer les attributs. On a 92 000. On a fucking 92 000 ici. Les amis, donc on va augmenter les attributs. Donc on va augmenter athlète à fond. On va augmenter meneur à fond, qui est extrêmement important. Et ensuite on va augmenter un petit peu les tirs intérieurs et extérieurs. Donc les amis, papa Ouy avait dit quelque chose. Papa Ouy avait dit que son fils serait un meneur de l'espace. J'ai dit que j'avais rejoint les Dragons pour brûler les parquets, tu vois ce que je veux dire. Mais les gars, là mon gars, je peux te dire qu'on va tout brûler, pas que les parquets je pense. Hop, déjà on augmente, mon dieu. Athlète niveau 20, brah. Meneur niveau 20, ça me coûte 40 000. Je vais pas tout augmenter niveau direct. Je vais mettre 20 000 sur... Je vais mettre 10 000 sur le meneur. En fait, j'aurais pas dû augmenter athlète autant, je crois. Parce que ça m'a coûté le plus cher. Mais après, le meneur, l'athlétisme, je voulais vraiment un meneur très athlétique. C'est le cas. C'est le cas. Mais là, je pense que j'ai peut-être un petit peu exagéré. Il me reste 34 000. Du coup, on va augmenter moite-moite meneur intérieur, marqueur intérieur, marqueur extérieur, je pense. Meneur, c'est important, je vais mettre 10 000. Quand même, encore. Allez, 5 000. On va rajouter 5 000 au niveau du meneur. Je suis quand même meneur de jeu maintenant, les amis, donc c'est très important pour moi. Et on va augmenter le marqueur, histoire de pouvoir marquer un peu. On va faire moite-moite. On va faire moite-moite, les amis. On va mettre 15 000, 12 000, merde. 12 000 et 12 000, les amis. Donc ça fait qu'on va avoir quand même un personnage de type... de type pas mauvais dès le début. Voilà, on va faire comme ça. Un petit peu plus de marqueur extérieur, peut-être. Hop, on rajoute 6 000. Voilà, et tout le reste, on va mettre les 10 000 pour le marqueur intérieur, les gars. Voilà. Bon, là, on a quelque chose de pas dégueulasse, quand même.
on a quand même quelque chose de pas dégueulasse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Les VC vont monter un gogo. Je vais encore gagner un nombre incroyable de VC, les gars, vu la difficulté de jeu que je joue et tout. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires pour me faire améliorer. Donc les amis, je vous propose là maintenant, tout de suite 2.0, qu'on va faire quelque chose de simple. Déjà, faut que j'équipe quelques petits dunks pour pouvoir claquer du dunk. J'en ai pas débloqué trop, mais on va en mettre quelques-uns. Faut là les acheter après. Et on se retrouve pour le premier match, les gars, avec les Dragons. Mon premier match avec mon meneur de jeu. Donc je compte sur vous, évidemment, comme je le dis à chaque fois, pour me faire péter cette petite barre de lag des familles. Je compte sur vous pour le faire, à partager la vidéo un maximum. Et puis voilà, c'est parti. Dieu, j'avoue que mon bonhomme, c'est le seul être swag quand même, hein, en blanc et tout, t'as vu. Mon bonhomme, il est swag. Avouez que. Avouez les potes quand même, que c'est quand même assez cheaté. Papa Houille, il a pas mal amélioré mon bonhomme quand même, hein. Papa Houille, il avait du bif. Il m'a fait entraîner avec quand même Michael Jordan. Je me suis entraîné avec lui, je me suis évidemment entraîné avec Kobe Bryant. Mon petit Houille Junior, mon gars, ça va être un putain de champion. Des fois, ça aide quand même d'avoir les bonnes connaissances. Allez, les gars, c'est parti pour ce premier match. On se concentre en mode concentré de tomate. Et on fait le bon match, les gars. Ok, les potes, c'est parti pour ce petit match des familles. Mon premier match avec mon meneur de jeu, les gars. On est tout simplement de type simple au lycée. Donc, mon bonhomme est overcheaté. Il y a moyen qu'on fasse des trucs plutôt pas dégueu. Voilà. Oh, yo, j'y vais, les gars. J'essaie de shooter. Ok, je loupe. Faut que je m'habitue à mon timing de shoot aussi. J'ai pris Stephen Curry en rapide. Il faut que je m'habitue un petit peu. Je vais essayer de bien jouer. Ça me fait un peu bizarre. Je vous avoue que ça fait vraiment bizarre de jouer avec un meneur. J'ai pas l'habitude, franchement, de jouer avec un meneur de jeu. Faut que je m'adapte. Je pense qu'il va y avoir un petit temps d'adaptation. Mais mon bonhomme, en tout cas, il est swag. Il me ressemble, honnêtement, il me ressemble un peu. Moi, en réalité, je suis peut-être un petit peu plus grand. Hop, tiens l'ami. Prends le shoot. Non, il veut pas. Oh, s'il le fait. Tu le mets, poteau. Il faut que je m'habitue aussi à aller pas chercher le rebond. Je pense qu'il va y avoir comme un petit temps d'adaptation. Heureusement que les matchs au lycée sont pas forcément... Heureusement que les matchs au lycée sont pas importants, en fait. Heureusement que les matchs au lycée sont pas importants. Parce que sinon, je pense que je gâcherais beaucoup de choses de jouer au lycée. Et hop, le premier rebond, tu vas faire quoi? Hop, on prend notre temps. Hop, on va demander un petit écran des familles. J'avais dit que je jouerais très très simple. Voilà, et là j'y vais, mon gars. Et tu vas faire quoi? Allez, mon gars, ça rentre, ça. Bon, pour le moment, je fais de la double, les gars. Pour le moment, je fais rien pour le moment. Faut que j'essaye de faire du double pas. Faut que j'essaye de... Ouais, de faire du double pas. Faut que j'arrive à faire plein de choses que je joue différemment qu'avant, en fait. Je suis meneur de jeu, donc même si mon petit ailier jouait quand même... J'essaie que ça se marche pas. Pour le moment, on se prend un 4-0, s'il te plaît. Même si mon meneur de jeu, mon arrière, avait un style de jeu assez meneur. Enfin, je menais pas mal la danse. Faut que j'arrive quand même à y arriver. Faut vraiment... Qu'est-ce qui se passe, là? Ok, attends, mort. Ok, tant mort, les gars. Bon, pour moi, 4-0, ça va, parce que c'est pas du match important, en fait. C'est vraiment du match du lycée, pas forcément important. Il n'y a pas trop d'importance si je fais n'importe quoi. Il faut que je m'adapte un petit peu par rapport à mon petit ailier. Faut que j'arrive, en fait, à prendre le ballon, à mener la danse, à faire beaucoup de passes. Faut que je fasse beaucoup de passes. Que je demande des écrans, je demande des petites techniques de type technication de temps en temps. Et que j'arrive à shooter un petit peu plus à l'extérieur, peut-être. Et quand je joue à l'intérieur, que j'arrive à faire des doubles pas. Sachant que j'ai un très bon double pas, la John Wall, etc. Donc, et que j'ai un bonhomme qui est déjà à 80 de général, donc ce qui est pas forcément dégueu. Ok, il joue avec moi. Allez, mon gars, je vais... Où tu vas prendre cher? Isolation. Aïe, Houille Junior, mon gars, hein, j'ai appelé Houille Junior, mon bonhomme. Tu vas prendre cher. Où tu vas prendre cher? Hop, le petit... Non, c'est pas ce que je voulais faire, mais ça rentre. C'est pas ce que je voulais faire, à la base, je voulais faire un double pas, fin de tir, double pas, et John Wall derrière. On va tester, on va faire des tests, les gars. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, les gars, juste en dessous, à me donner des conseils de type conseillation. J'y vais pour le contre, ça marche pas, ok, je vais jouer. Ah, c'est déjà la fin du premier carton. Ah oui, c'est vrai, c'est 2 minutes le carton, je savais même plus. C'est 2 minutes le carton, je m'en rappelais même plus, les gars. Ouais, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires des petits... des petits conseils des familles, les gars, pour mon meneur de jeu, des petites techniques, de type technique pour réussir à jouer rapidement, à prendre en main mon meneur de jeu, sachant que je suis déjà à 80 en général, c'est pas dégueu. Hop, s'il te plaît, vas-y, pique, je t'ai vu l'ami. Non, il veut pas, tu m'as vu derrière, non, ok. En tout cas, ça fait bizarre parce que mon bonhomme, il est carrément speed en fait. Mon bonhomme, il est carrément speed en vrai, mais c'est vrai, ça me fait vraiment, vraiment chelou. Techniquement, mon bonhomme, il est bon, ça c'est clair et net, mais ça me fait carrément chelou parce que. Au niveau de la maniabilité, en fait. Sa maniabilité est incroyable. Hop, tiens, grâce, je t'ai vu à droite. C'est grâce à moi que tu vas mettre le panier. Allez, rigole. Bon, en tout cas, j'ai joué les Dragons. Et je voulais enflammer les parquets. Et faudrait peut-être que je le fasse. Ça me fait bizarre aussi, c'est de ne pas perdre beaucoup de ballons. Faut que j'arrive aussi à faire des petites doubles pas. Ok, mon bonhomme, il fait n'importe quoi.
Bon, en tout cas, il y va. Faut que je fasse des tactiques intelligentes aussi, ouais. Faut que je fasse des petites techniques intelligentes. Hop, on met le premier. Voilà. Tu mets le deuxième. En tout cas, c'est un beau petit score de merde, là, qu'on fait. Il met le deuxième. Oh, calme. Allez, les gars, 1010 avant la fin. Faut que j'arrive à bien jouer, là, les gars. Je joue pas bien. Essaye d'intercepter. À la base, le niveau est vraiment dégueulasse du lycée. Je me rappelle que tu plantes 20 points facile normalement au lycée, donc... c'est normalement. Donc, faut les... Dans la logique des choses, je devrais arriver à faire... Ouh, là, dommage. Faut que j'arrive à faire des choses un peu mieux. Hop, j'y vais. Ous. Normalement, ça devrait être assez facile, quoi. Non, mais allô. Et hop, le rebond, tu vas faire quoi? On prend notre temps, on prend notre temps. On va faire un petit technique des familles. Tiens, viens ici, mon pote. On va faire un floppy bird. Floppy bird. Allez, viens là, mon pote. Oh. Ok, faut que j'aille là. Ah non, en fait, fallait que j'aille là. Ok. Je crois que j'ai rien compris. Hop. Ok, les gars, j'y vais. Ok, les gars, j'y vais. Ça, c'est quoi? Le petit moulin avant des familles, mon pote. Et le jour où un mec au lycée te sort un moulin avant comme ça, ce qui arrive déjà aux États-Unis, j'ai envie de te dire, mais c'est pas dégueulasse, mon gars, c'est pour ça que j'ai fait un mec athlétisme de type athlétique, du verbe appliquer, tu vois ce que je veux dire. Allez, les gars, hop, on essaie de. Allez, faut que j'intercepte. Oui, l'interception. Récupère. Allez, mon gars, t'y vas, mon pote, t'y vas. Et le dunk. Boum, mon gars. Je commence à le prendre en main, mon petit meneur des jeux des familles. Eh oui, monsieur Ouyo Junior, il est là, poto. Ouyo Junior, il est al, poto. Allez, on va essayer de le bash. Hop. Tu vas faire quoi? On est à la maison, poteau. On est à la maison, poteau. Allez. N'empêche qu'il a une... Il a une seconde encore. Le match, il est... Enfin, c'est même pas la fin du premier quart-temps. Hop. Oh là là. Mais s'il te plaît. Mais s'il te plaît. Hein? Je suis un dragon. Et j'ai fait quoi? Je t'ai brûlé les ailes? Dis-le-moi dans l'oreille. Oh, je t'ai brûlé les ailes. Oh. En tout cas, fin de la première mi-temps, 8.3 rebonds d'interception, 2 contre. C'est vraiment facile, c'est vraiment facile. Seulement, le premier quart-temps, les amis, je l'ai très très mal géré. Je l'ai très 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 mal géré, les amis. Mais je m'habitue. Faut vraiment que je m'habitue. Mais selon moi, j'aurais quand même peut-être dû mettre un petit peu moins d'athlétisme, le mettre dans le meneur, je pense. Et peut-être un petit peu plus de shooter. Parce que on va dire que l'athlétisme, au moins, c'est chose qui est faite. L'athlétisme, c'est le truc qui coûte le plus cher, en fait. L'athlétisme, c'est vraiment le truc qui coûte le plus cher, au moins, c'est fait, quoi. Enfin, vous l'avez vu, ça m'a coûté la moitié de mon pognon. Hop, le petit pick and roll des familles. Voilà, ça passe crème, mon pote, ça passe crème. Non, hop, je t'ai vu à droite. Faut que je fasse tourner, mais on va dire que c'est pas forcément évident avec mes collègues du lycée qui bougent pas vraiment, en fait. Hop, allez, vas-y, joue avec toi, mon pote. On va faire un quick 23. Mais évidemment, quick, manger 5 fruits et légumes par jour, ce n'est pas très bon pour la santé, le quick. Ok. J'ai essayé de faire des trucs, mais j'arrive pas. Faut que je prenne le shoot. Oh, le bâtard! Oh, la perte de balle! Non, mais mec! D'où tu es censé me respecter, l'ami. Et hop, le premier rebond. Enfin, le troisième, je veux dire. Hop, tiens l'ami à droite. Tu rejoues sur moi au calme. On tente le petit shoot à 3 points et je la mets au calme. Mais oui, tripod. Premier tir à 3 points de Ouyo Junior, les amis. Allez, 11 à 4 pour nous. C'est trop facile, les potes. En vrai, c'est trop facile. C'est là. Oh merde, la faute. En tout cas, je crois que c'est moi qui mets les 11 points. Hein. Le meneur de jeu, carrément athlétique et carrément score pour le moment, les amis. Carrément score, les amis. Allez, 11 à 4. J'essaie de bien défendre. Tu passeras pas, mon pote. Tu connais pas. Et l'interception! Mais oui, c'est clair! Et on va faire quoi? Le moulin avant! Boule de dunk! J'entends pas! Mon dieu. Mon dieu, ce meilleur de jeu, s'il te plaît. Oh là là. Et je pense que, moi en plus, qu'il y a une lecture de jeu plutôt pas dégueulasse, je pense que vraiment, il y a moyen que j'intercepte un nombre de balles. Ouh, pas mal. Il y a moyen vraiment que j'intercepte un nombre de ballons plutôt sympa. Je vais pouvoir intercepter pas mal de ballons, je pense. Hop, ok, ça passe, j'y vais tout seul. Allez, ça passe, bien joué ça. 15-6, les gars. 15-6, les gars. Swish. 6-15, les amis. Allez. On défend. J'essaie d'intercepter, c'est easy, mon gars. Je me rappelais pas que le lycée c'était aussi facile, en fait. Je suis déjà on fire, apparemment. Le pire, c'est que vous dites que j'ai aucun attribut, j'ai aucun insigne, j'ai que dalle. Il attend la fin. Oh, Junior, bro, on est là. Hop, hein. J'y vais. Oh là 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 là. Le petit compte des familles. Mon dieu. Et le pire aussi, c'est que j'ai pas augmenté ma défense. Mais je suis pas dégueulasse en défense. Je suis vraiment pas dégueulasse en défense. Ça, c'est clair et net. Je suis vraiment pas dégueu en défense. Mais en tout cas, c'est bien. Parce qu'on a joué les Dragons. J'avais dit que je voulais enflammer les parquets. C'est vraiment ce qui se passe. Le premier carton a été dégueulasse, de type vraiment dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? Mais franchement, la deuxième mi-temps n'est
pas dégueu, même si le meneur de jeu n'a encore fait aucune passe décisive, ce qui est pas très logique. Mais en tout cas, c'est pas dégueu. Ouh, tu m'as vu l'ami, j'y vais tout seul. Blah, le poster. Le 2-2-2, mon gars. 17-6, mon gars. Et après, évidemment, monsieur Wii U Junior a tout hérité de son père. À l'époque, son père était petit ailier, si vous vous rappelez bien. Deux fois champion, enfin bref, je vous rappelle pas. Et c'était un champion du dunk, les gars. Donc évidemment, Wii U Junior a tout hérité. Et ce qui est assez incroyable, quand même, c'est que mon petit ailier, les amis, faisait quand même 2m4. Là, on a quand même 14 cm de main. Donc bon. Oh là 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 là, comment je l'ai enrhumé. Je t'ai vu à droite, prends shoot, prends shoot, prends shoot. Non, il veut pas. Ok, vas-y, je te la prends. Évidemment, je parle de la balle. Attends, t'as vu quoi, t'as... Ah, vas-y. Le petit pick and roll. Et tu la mets, mon pote. Ma première passe d'idée. Bien joué, ça. On leur met un 19-8 dans leur face, s'il te plaît. Tu vas faire quoi, poto? Tu vas faire quoi? 8-19, les gars. Le match est pas dégueulasse. Le match est pas dégueulasse. On va se concentrer. En tout cas, ça fait vraiment plaisir, quand même, de recommencer ce nouveau personnage. Ça fait vraiment, vraiment du bien de reprendre un nouveau bonhomme en tant que meneur. Sachant que ce qui est bien, c'est que il a déjà 80 de général, donc c'est pas dégueulasse au niveau de déplacement et du reste. On a vraiment quand même pas mal de level. Et il y a plein de trucs que j'aime. Oh là là, mais hey, mec, mais easy quoi. Faut que j'aille à faire des bons déplacements, dites-moi vraiment. Ah, ok, il prend le shoot. Il le met pas, dommage. Ça, pareil, faut que j'arrive vite. Faut que j'arrête. C'est pas mon rôle d'aller chercher le rebond offensif. Moi, faut que je revienne défendre rapidement. Alors, ça passe pas, c'est intercepté, ça marche pas. Défends, mon pote. Bien joué, ça. Et je t'ai pêché le ballon, poteau. Comme j'ai pêché ta meuf, tellement j'ai du skill. Mais oui. Tiens, l'ami. Non, hop, je t'ai vu derrière. Je te fais l'écran. J'aurais dû prendre le shoot. Ok, chose qu'il fait. Et il a loupé. Voilà. C'est peut-être l'une des seules raisons pour lesquelles je prends tout le temps les shoots. C'est peut-être parce que mes collègues sont pas vraiment très très bons. Tu vois ce que je veux dire. Allez, 8-19. Je vois rebond, il va la mettre. Voilà. Il reste 13 secondes, les gars. 30 secondes. On a moyen de calquer quelques dunks en 30 secondes quand même. Allons, on prend notre temps, mon gars. Wood Junior est très très bon. Oh là là, mais mec. Oh non, j'aurais dû la prendre. Oh non. Je vais te claquer un de ces dunks, mon gars. Pourquoi je l'ai pas fait? Non. Mais quel gros con, ce monsieur Wood. Quel gros con. Mais oui, monsieur Wood Junior est jeune. Il n'est pas encore très... Oh, ils font les fautes. Wood Junior n'est pas encore très lucide, les amis. Wood Junior n'est pas encore très lucide, les amis. Mais oui, il manque de lucidation, si tu vois ce que je veux dire. Du verbe lucider. Ah, tu m'as vu là. Et on prend notre... Ok, ils font les fautes. Ils font les fautes, les gars. Ah, encore. Ok, bon, écoute, tu m'as vu. Et là, j'y vais, mon gars. Là, j'y vais, mon gars. Tu vas faire quoi? Boum. Je me suis mangé, poteau. Je me suis mangé, mon poteau. Les 360 des familles, tu vas faire quoi? Monsieur Wood Junior, poteau. RPZ, ma gueule. Mais oui. Oh mon dieu. C'est mon premier match au lycée, les gars, s'il vous plaît. Oh, l'interception, dommage. Mon premier match au lycée, s'il te plaît. Mon premier match au lycée, je te sors du 360, s'il te plaît. Mais mec, y a pas de respect. Hop, j'attends si je la mets. Non, c'est bon. Fin du premier match, les gars, sur NBA 2K, avec mon petit meneur de jeu, ma nouvelle carrière. En tout cas, on a fait un match de l'espace, on a fait des trucs de l'espace, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu, ce match de malade mental. Selon moi, j'aurais peut-être dû augmenter un petit peu plus mon meneur de jeu. Ma défense, ça va, ça passe crème. Bon, après, on est au lycée, donc je vais me faire quelques crédits, mais je pense que si, en fait, j'ai bien fait d'augmenter l'athlétisme à fond, parce que l'athlétisme, c'est vraiment ce qui coûte le plus cher. 19 points, 7 rebonds de passe, des 3 contre 3 interceptions à 8 tirs sur 11, ce qui est pas dégueulasse, les gars, sachant que mon premier carton, enfin, ma première mi-temps, j'ai fait de la merde. Selon moi, j'ai bien fait en fait d'augmenter l'athlétisme à fond, ce qui coûte le plus cher. Je veux vraiment faire un meneur de jeu hyper athlétique, les gars, mais vraiment hyper athlétique, la cage de Dunk à fond, de type impressionnant. Donc vraiment hyper cool. Donc on a les bonhommes là qui vont nous donner les recruteurs, Georgetown, etc. On verra dans quelle université j'irai, on verra ça en temps voulu. En tout cas, les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit like des familles, un mix de cette barre de like pour cette première vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo, lâcher des petits commentaires, donner des conseils. J'espère que vous allez être nombreux à me suivre dans cette carrière. Je pense qu'il y a vraiment moyen qu'on s'éclate de ouf. Donc bref, c'était pas, vu sur la PPS, on est bientôt pour une prochaine vidéo. Over. Peace.